la France a été très solide et bravo à cette équipe qui est très, très jeune et très motivée. Donc on va aller jusqu'au bout et on se battra. Pourtant, ils chantaient fort, hein. Ça, on peut le reconnaître. Ouais. Les Argentins étaient très présents, mais on est les meilleurs. Surtout, quand on est remonté, on perdait 2-1. Je pensais qu'on allait perdre, mais non. Extraordinaire. Un beau match de football. Et moi, j'ai la volée de Pavard. C'est un homme extraordinaire. Mbappé, c'est l'homme du match, mais on l'attendait à ce niveau. Que Benjamin Pavard, on n'attendait pas à ce niveau. Il a repris une volée. Donc la France, elle m'a rassuré. Ils ont fait un match extraordinaire. Allez les Bleus! Fou, intense. C'était du début à la fin. Au début, on y croyait. Après, il y a eu ces deux buts. On n'y croyait plus, mais là, ils se sont réveillés. Mbappé, la vitesse de Mbappé, c'est juste magnifique. Franchement, incroyable. Derrière, le but de Pavard. Il sort nulle part, lui, il sort nulle part, on ne l'attendait pas. Il est présent à la Coupe du Monde, il est là, c'est la folie, quoi. 3-2, 4-2, on va à Nijni, on va en quart finale et on va la gagner, quoi. Nous sommes les Français! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Je pense que l'homme du match, c'est toute l'équipe, c'est Didier Deschamps, c'est le collectif qui a gagné. Ils ont des individualités comme nous qui sont très bonnes, mais c'est sur le collectif qu'on a gagné aujourd'hui. Magnifique, c'est un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. Bah déjà, les deux équipes étaient géniales. C'était limite un match de finale avec la France et l'Argentine. Et on a bien vu, tous les joueurs se sont donnés à fond, surtout Kylian Mbappé. Messi était totalement neutralisé, il n'a rien pu faire. Donc c'est génial. El partido fue muy difícil para Argentina, también fue errores muy defensivos del equipo y nos costó eso. El contraataque de Argentina, de Francia, perdón, fue muy, muy letal. Tiene muy buenos jugadores. No hizo nada. Lamentablemente no jugó. Pero bueno, así es el juego. Fútbol es así. Bueno, Francia fue mejor. La Francia aprovechó la defensa lenta de Argentina y con la rapidez de su delantero no ganó. Pues bien, pero bueno, será para la próxima para nosotros. Gracias.